Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture du dimanche. Une nouvelle petite ouverture de booster mystère pour aujourd'hui et j'ai sélectionné des boosters que j'avais grave envie d'ouvrir. Ils sont trop cool. Ce sont des figurines Bad Clip, on les connaît celles-ci. Elles sont dans des petits boosters comme ça et à chaque fois ça va être une petite figurine avec un petit porte-clés un peu cheap au bout. Bon, le porte-clés on s'en fiche, nous c'est la figurine qui nous intéresse. Et là du coup les boosters qu'on va ouvrir aujourd'hui, ce ne sont que des figurines de l'univers Pixar. Donc qui n'aime pas Pixar déjà, c'est trop cool parce qu'il y a plein de Pixar mélangés. Et surtout vous les apercevez là, vous l'apercevez ici et là. On a des petits aliens, mes chouchous de tous les jours, qui sont déguisés eux aussi en personnages Pixar, les aliens remix. Je vous en parle assez souvent sur cette chaîne, j'ai déjà fait plusieurs présentations et ouvertures de ces petits aliens remix. Et donc il y en a dans ces boosters, j'espère qu'on va avoir la chance d'en avoir au moins l'un des deux. Et pour toutes les personnes qui n'aimeraient pas, eh bien les aliens remix, il y a tellement d'autres personnages, même des personnages de en avant. Bon, ils ont pas encore fait Soul, mais c'est parce que c'est bien trop récent. Bref, beaucoup de petites pépites, il y en a aucun que je déteste vraiment. On va découvrir la collection et passer à l'ouverture. J'espère que vous avez hâte et comme d'habitude, eh bien n'hésitez pas à laisser un maximum d'emojis doigts croisés pour nous porter chance pendant cette ouverture. Et Dieu des ouvertures, si tu vois ça, eh bien, régale-nous. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà pour l'ouverture avec les petits boosters devant nous, comme d'habitude. Vous voyez qu'ils sont très beaux, hein. Ils sont vraiment très jolis. Je vais faire place à un seul booster pour qu'on puisse l'étudier. J'adore les couleurs avec Carl Fredrickson, là, avec ses petits ballons de là-haut, enfin bref. Ils ont l'air vraiment très cool, donc regardons-les d'un petit peu plus près la collection complète. Parce que oui, il y a également des secrets dans cette collection, donc je vous avoue, j'ai pas trop regardé, je sais pas trop à quoi ça correspond. On va étudier les ombres quand on arrivera à là et on essaiera de deviner quel personnage ça peut être ces deux-là. Mais bref, pour commencer, dans cette collection, on peut avoir Sully, mais c'est bizarre parce qu'à chaque fois, ils ont pas fait forcément les paires, parce que Sully, il est tout seul, genre il y a pas Bob, à moins que ce soit un des deux, ce que je ne pense pas, a priori. Donc juste Sully, ok, mais dans une position un petit peu originale, qu'on n'a pas l'habitude de voir pour Sully, et ça fait plaisir. Ensuite, on a Carl Fredrickson avec ses ballons, et là, pareil, on n'a pas Russell pour aller avec, alors que souvent, ils vont ensemble. Donc là, gros coucou à Miss, si tu passes par là. Miss, si j'ai Carl Fredrickson, il est pour toi. Cette ouverture, elle va être pour toi, ok? Je veux avoir Carl Fredrickson et te l'offrir parce que ça me ferait vraiment plaisir. On va essayer, on va tout donner, Miss, parce qu'elle collectionne tous les goodies de là-haut, donc ça me ferait kiffer de pouvoir lui offrir le petit Carl Fredrickson. Sinon, eh bien, on a le premier Alien Remix, donc c'est l'alien déguisé en Buzz. Incroyable, bon, il a pas le petit globe là au-dessus de la tête, mais c'est pas grave. Il est quand même très mignon, le petit alien déguisé en Buzz. Et sinon, là, on a un duo. Donc, pourquoi ils ont fait le duo, je sais pas, mais tant mieux. Wally et Eve qui vont ensemble. Donc, Wally, il tient la petite botte avec la plante dedans, trop mignon. Et Eve, elle tient une ampoule qu'elle arrive à allumer d'ailleurs dans le film. Belle petite ref là pour les deux accessoires de Wally et Eve. Très mignon aussi ces deux-là. Ensuite, on passe sur un deuxième Alien Remix, donc déguisé en Woody cette fois-ci. Parfait, je veux absolument l'avoir aussi. Ensuite, on a Rémi de Ratatouille. Chef Rémi, il est juste trop mignon aussi. Franchement, j'adore les Alien Remix, mais le petit Rémi là, il est beaucoup trop cute, on est d'accord? Ça aussi, franchement, je les veux tous, je les trouve très cool. Après, les persos d'en avant, peut-être un petit peu moins, mais à la limite, j'ai tellement peu de goodies d'eux et de figurines, de trucs comme ça, que ça me ferait plaisir quand même. Donc on a Yann et Barley, hein, les deux frères, là on a bien la paire. Donc ça me ferait kiffer, ils sont tous très cool, franchement ils sont tous très cool. Et si on a la chance d'avoir les secrètes, je parie ici pour un petit Emlish de mille et une pattes, ça me paraît très logique pour du Pixar. Et là, on aperçoit comme une queue de sirène, je dirais, mais ça peut pas être Ariel puisqu'elle ne fait pas partie des Pixar. Donc, suspense. À chaque fois, vous êtes chaud, vous, pour trouver les figurines mystères comme ça. Donc, je vous fais confiance. Mettez-moi dans les commentaires à quoi correspond l'ombre B, là, l'exclusive B en secrète. Donc, je sais pas si je l'avais ou pas, finalement, parce que je ne sais pas qui elle est. Mais bon, ça me ferait plaisir de la découvrir. Tout ce qui est nouveau, j'aime bien. Vous avez compris, du coup, cette série est incroyable et j'aime à peu près toutes les figurines qui s'y trouvent. Donc let's go pour le premier booster et Miss, on va essayer de te faire kiffer avec un petit Carl Fredrickson qu'on pourrait même peut-être avoir en double, un pour toi, un pour moi, ça me ferait plaisir. Et pendant que je parle, je spoil, on a directement la première qui est Yann de En Avant, le personnage principal du film. Ok, bon il est classique, c'est dommage, ils lui ont pas fait son petit bâton, il est en mode normal là avec sa petite chemise. Mais il est quand même très sympa. Donc là, on a le petit clip qui est noir sur cette collection. Ça passe un peu partout, ça va. Et bah écoutez, trop bien. Très sympa d'avoir un petit Yann comme ça en petit porte-clés. Génial. Forcément, le premier booster, on pouvait pas être déçu, on peut pas avoir de double. Maintenant, c'est un petit peu plus tendu. Donc c'est parti, let's go. Pour le deuxième, qui m'a l'air un peu plus gros là, donc peut-être que c'est Carl avec ses ballons, Miss. Je crois au Carl avec ses petits ballons là, j'ai envie d'y croire pour toi. Et pour moi aussi, ça me ferait grave kiffer. Donc allez, c'est parti du coup pour découvrir.
Il s'agit, mesdames et messieurs, pour ce deuxième booster de... Ah, c'est Eve. Elle avait une grosse tête, Eve. On n'y avait pas pensé. On n'avait pas pensé à Eve qui pouvait être aussi grosse, mais effectivement, elle a une grosse tête. Mais par contre, ce format-là, là, ce petit design de petit backclip, ça lui va très très bien. Je trouve que ça lui sied, voilà. Avec la petite ampoule, qui a même un petit détail sur l'ampoule, c'est génial. Il pense à tout. Elle est cool. Elle est très cool, la petite Eve en porte-clés. Bah écoutez, à chaque fois, hein, si on pouvait compléter à la limite et avoir les binômes Wally pour aller avec Eve et Barley pour aller avec Yann, je ne dis pas. Ça me ferait kiffer aussi. Ah là là, tout me ferait kiffer, hein, j'ai l'impression. Surtout pas de double, quoi. Vraiment surtout pas de double. Allez, on passe du coup au troisième booster déjà. Ça va vite, ça va vite. Mais ne vous inquiétez pas, si vous kiffez cette série-là, en fait, moi, je les ai tellement kiffés que j'en ai pris 10. De quoi faire 2 ouvertures et essayer de compléter un maximum la série. Donc, normalement, on devrait avoir une autre ouverture de ces petits boosters-là en ouverture du dimanche. Alors, je sais pas quand, par contre, mais ça arrivera sur la chaîne un temps ou un autre, un jour ou l'autre. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et regardez ce qu'on a. J'ai spoil, on a les ballons. On a les ballons de Carl Fredriksen. Incroyable. Il est beaucoup trop mims. On est d'accord. Bah, Miss, je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais la prochaine fois qu'on se verra, eh bien, tu auras le petit Carl Fredriksen. Voilà, je t'apporterai ça en cadeau. En petit goodies pour ta collection. Et franchement, on a tout, là. On a même le petit sonotone dans l'oreille. Les petites rides sur le front, là. Il y a tout qui est, hein. Les lunettes et tout, la tenue. Le nœud pape, il est là. Il est là, le nœud pape. Et les 3 petits ballons. Trop bien. Franchement, il est cool, hein. Il est très, très cool. Bah, écoutez, c'est le petit Carl de Miss. Et si on pouvait avoir, du coup, un deuxième Carl pour ma collection, je dis pas non. C'est le seul double que je tolérerais. Il nous reste 2 boosters à ouvrir. Et j'espère qu'on aura de la nouveauté ou un Carl Fredriksen. Hop. Alors, est-ce que ça spoil? Non, c'est bon. Ça ne spoile pas. Et il s'agit... quatrième déjà porte-clés. Il s'agit de... Non. C'est ceux que j'aime le moins en plus. Franchement, tu fais quoi là, dieu des ouvertures? Franchement, t'as abusé, frère. T'as abusé, gros. De Yann. Je l'ai voulu à peu près tous en double, sauf lui. Franchement, non, pas Yann. Oh non. C'est pas grave, mon frère. Sois gentil, il nous reste un booster. Fais-nous kiffer, s'il te plaît, mon gars, parce que là, je veux absolument au moins un des Alien Remix, ou enfin n'importe lequel. Ils sont trop cool, tous, ils sont trop cool. Le petit Rémi, là, il a l'air adorable aussi, franchement. Tout ça, on prend. Mais surtout pas un double. Ou à la limite, Carl. T'as compris, mon pote, t'as compris. Fais-moi rêver, fais-moi kiffer. Et il s'agit pour ce dernier booster, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes prêts. C'est maintenant qu'il faut lâcher les emojis doigts croisés si c'est pas fait. Et le petit pouce bleu, parce que ça fait toujours un petit peu porter chance. Bref, c'est parti. On découvre le dernier porte-clés. Non, c'est bon, j'abandonne. Non, mais c'est bon, j'abandonne. Allez, ciao. Surtout pas de double, quoi. Vraiment, surtout pas de double. C'est pas possible, en vrai. C'est pas possible, les gars. Non. Franchement, ça faisait au moins 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais plus, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu si peu de chance, sérieux. On a eu 3 Yann. C'est quel genre de sorcellerie, ça, franchement? Je vous le demande. Du coup, en plus, le petit Carl, bah là, il part chez Miss, donc c'est pas pour la collection. On a eu que 2 nouveautés, genre. C'est pas fameux, mais elles sont quand même très cool, c'est pas grave. Je vous remontre le petit Carl, même s'il est pas pour nous, eh bien, il reste très sympa et je pense que c'est mon préféré de cette ouverture. Mais n'hésitez pas à me dire quel a été votre petit porte-clés préféré et j'espère qu'on aura plus de chance avec les 5 prochains boosters parce que là, ça ne va pas. On va dire que c'était la première ouverture et que la prochaine sera bien plus glorieuse, on espère que c'était ça. C'est dommage, hein, parce que pourtant, les personnages étaient tous très cool, je suis déçue un peu, hein. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, on a eu 2 Yann, ça arrive. On n'a pas eu de chance non plus la semaine dernière avec les boosters Mulan, je sais pas ce qu'il y a, faut peut-être falloir que je change de booster, on va revenir au Mister et Mini, là on a plus de chance en général avec les Mister et Mini. Mais j'y crois, j'espère que la semaine prochaine on aura plus de chance en tout cas avec l'ouverture mystère du dimanche. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis, si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et laisser un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, eh bien je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.